gloire à notre Seigneur, que son nom soit béni, lui qui a encore permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui dans un nouvel instant de grâce, dans lequel il va encore vous faire du bien, dans lequel il va encore vous parler, et il va vous emmener à comprendre que les trésors qu'il a mis en place, qu'il a réservés pour vous sont immenses. Les gens se posent des questions, est-ce que ce que je fais dans la vie vaut la peine? J'ai beaucoup essayé, je suis fatigué de toujours essayer. J'ai tout fait, j'ai tout tenté, même Dieu m'en est témoin. Si c'est ça la vie, ça ne vaut pas la peine. Vaut mieux encore ne pas vivre. Les gens sont fatigués. Est-ce que ça vaut la peine de mener une pareille vie? Tout ce que je tente apparemment ne marche pas. Est-ce que ça vaut la peine de persévérer, de continuer? Nous allons en parler ensemble, mais prions d'abord. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce temps, pour ce moment. Merci pour instant de grâce. Merci pour la vie que tu donnes dans ces moments. Merci pour les réponses que tu apportes par ton esprit. Merci pour tant de choses. Seigneur, prends ces moments. Toi qui peux parler au cœur, réponds au cœur, Seigneur. Réponds aux questions de tes enfants. Et accorde-nous, ô Dieu, de discerner ce qu'est ta volonté. Nous te bénissons ainsi, Père. Nous t'avons ainsi demandé et prié dans le nom de Jésus. Et j'ai entendu de ta part, Amen. Gloire au Seigneur. Ne vous découragez pas. C'est la très bonne nouvelle que je voudrais vous dire encore aujourd'hui, dans notre instant de grâce. Ne vous découragez pas. La plupart du temps, on a des raisons de se décourager. Mais je vous dis, ne le faites pas. Ne vous découragez pas. Lisons un peu ce que dit la parole de Dieu dans le livre des Juges. Juges 8, le verset 4. La Bible dit ceci. Gédéon arriva au Jourdain. Il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Maintenant, soulignez ça. Fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Gédéon est en train de conduire une guerre intense. Gédéon avait des troupes et des armées avec lui. Gédéon conduisait des hommes faits de chair et de sang. Ces gens étaient arrivés à un moment où ils étaient fatigués. Ils avaient combattu, ils avaient conquis, ils avaient tenté, ils étaient fatigués. Mais j'aime ce que la parole de Dieu dit. Elle le dit, fatigués, mais poursuivant toujours. On admet qu'ils étaient fatigués. On l'admet, vous êtes fatigués. La vie vous a fatigué. Les échecs vous ont fatigué. Les mauvaises expériences vous ont fatigué. Les mauvaises relations vous ont fatigué. Les mauvais choix vous ont fatigué. Toutes les chutes vous ont fatigué. Les défaites vous ont fatigué. Les faillites vous ont fatigué. Toutes ces choses. Votre vie est fatiguée. Votre âme est fatiguée. Votre esprit est fatigué. Vous ne songez qu'à une seule chose. Laissez tomber. Et vous croyez qu'en abandonnant, vous aurez le repos. Non, au contraire. En abandonnant, c'est votre esprit qui sera chargé. Et si j'avais continué, peut-être que. Et si j'avais persévéré, peut-être que. Moi, je vous dis ceci, ne vous découragez pas. La vie, vous savez, elle vous offrira toujours des occasions de vous décourager. Dans toutes les circonstances. C'est comme si autour de nous, Dieu a créé les choses. La Bible dit, Dieu a fait les choses droites. Il a bien créé les choses. Et l'ennemi vient travailler de manière à ce que notre vie entière puisse être une succession d'échecs, de lamentations, d'amertume, des petites joies par-ci, par-là. Mais dans le pourcentage, certains vous diront 90% de leur vie sont des pleurs. D'autres se réfugient dans le travail, d'autres se réfugient dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe, dans beaucoup de choses pour oublier. En fait, en faisant ces choses-là, en vous réfugiant, c'est déjà une forme de découragement. Vous n'êtes plus en train de lutter. Ne vous découragez pas. Tenez ferme. Tenez bon. Parce que s'il existe le mot fatigue, c'est que le mot force aussi existe. Ne vous découragez pas. La vie aujourd'hui, dans notre monde moderne, surtout quand nous regardons, et si vous faites une certaine analyse de votre propre vie aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ce monde moderne n'est pas aussi heureux qu'il le prétend. Ce monde dit moderne, avec tout ce que l'on a comme facilité, quelque part n'est pas aussi beau que ça. Et ça nous amène au découragement. Ça nous amène à nous lasser, à nous fatiguer. Tu es entré dans une relation, tu as tout donné.
Mais à la fin, tu es déçu. Tu entres dans une autre relation croyant que bon, peut-être que la seconde relation va peut-être améliorer la première ou me faire oublier la première. Au bout de 4, 5, 6 ans, les mêmes décisions reviennent. Tu as travaillé dur. Tu as travaillé dur. Tu as obtenu un diplôme, une qualification. Mais l'équivalent entre ton diplôme et le salaire, le travail que tu as, ne vont pas de pair. Ça décourage. Tu as fait de ton mieux pour tenter de réunir ta famille, d'en faire une famille exemplaire et modèle. Tu as tout fait pour mettre les gens d'accord entre eux. Mais tu te rends compte que les mêmes personnes pour lesquelles tu t'es vertu à faire du bien, à vouloir que les choses soient unies, les mêmes personnes te critiquent, te rejettent, te font du mal. Tu es découragé. Tu as fait du bien à plusieurs. Même que parfois, tu as pris de ton patrimoine propre pour aider les gens. Tu as donné de ton argent propre pour subvenir aux besoins des personnes qui n'étaient même pas membres de ta famille. En fait, tu n'aurais rien perdu en ne les aidant pas. Mais tu te rends compte que tu n'as rien gagné en les aidant. Au contraire, ces mêmes personnes se retournent contre toi. Elles disent du mal de toi. Elles font partie maintenant de tes ennemis. Alors que hier, tu étais leur bienfaiteur. Ça te décourage. Tu regardes comment ton pays, ta nation avance. Tu as cru dans les changements. Tu as cru dans les discours des politiciens, dans beaucoup de choses. Tu as eu une espérance. Et ce que tu vois dans la réalité te pousse à penser autre chose. Ça te décourage. Tu as cru qu'en entrant dans le mariage, ça serait enfin la porte de sortie pour tes malheurs. Que enfin tu aurais quelqu'un avec qui tout partager. Que enfin tu pourrais vivre avec un être qui te comprend. Découragement. Quelque temps après, c'est la désillusion. Tu as cru qu'en enfantant, tu allais avoir le respect de la société. En ayant des enfants, tu pourrais enfin construire quelque chose de stable qui te ferait oublier ce que ta jeunesse a été. Désillusion. Le découragement arrive. Tu t'es forgé des amitiés au fil du temps. Tu t'es dit, ça c'est mon meilleur ami. Ça c'est ma meilleure amie. Oh, je n'ai que lui. Nous sommes ensemble. Même que ce n'est plus un ami, c'est un frère, c'est une sœur. Quelque temps après, la trahison arrive. Découragement. Je n'aurai plus d'amis. Je ne me lierai plus. Je ne m'attacherai plus. Tu t'es attaché à beaucoup. Tu as commencé des affaires. En te disant, là ça va marcher. Je vais investir. Tu as mis tout ton capital. Tu as mis toute ta fortune. Tu as mis tes biens les plus précieux, le peu que tu avais. Une fois, deux fois, trois fois. Et puis c'est le découragement. Je ne ferai plus les affaires. Je laisse tomber. Je m'arrête là. C'est trop dur. C'est trop difficile. Ne te décourage pas. Quelle que soit la longueur de la nuit, disent les humains, le jour finira par apparaître. Et la parole de Dieu, elle te dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que vous êtes encore vivant, tu es encore vivant, il y a de l'espérance pour toi. Ne te décourage pas, ne plie pas bagage avant, ne ferme pas la porte avant, ne tire pas le rideau avant. Tu as encore droit d'être sur la scène, sous les projecteurs. Ton temps n'est pas encore terminé, ton temps n'est pas encore fini. Que l'Esprit de Dieu en ce moment, alors que tu m'écoutes dans un instant de grâce, t'accorde la force d'aller de l'avant. Oh, je prie maintenant afin que l'Esprit de Dieu t'accorde la grâce de tenir bon, d'aller jusqu'au bout de ton parcours sans te décourager. Que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Je ne dis pas qu'il faut oublier la douleur, qu'il faut essayer de croire ou de faire croire qu'il n'y a pas de douleur. Non, les temps durs existent. Les moments de pleurs existent. Ces temps où vous avez mal dans votre cœur, où tu es seul dans ta chambre en te disant « Qui peut me comprendre ? Qui peut savoir ce par quoi je passe ?» Vous vivez ce genre de moment, n'est-ce pas ? Tu te dis « Mais qui peut me comprendre ? Qui peut m'expliquer ? Qu'est-ce que je fais sur la terre ? Qui peut m'expliquer à quoi rime ma vie ? Est-ce que qui peut me donner une réponse ? Ces moments où tu es seul, ils existent, ces moments. Ils sont réels.
mais je te dirai, ne te décourage pas. Tout à l'heure, je vais te fournir quatre raisons, comme d'habitude, pour ce qui me pousse à te dire, ne te décourage pas. Mais avant ça, j'aimerais te dire que le chemin n'est pas encore terminé. J'ai toujours dit dans ma vie, et je me le répète très souvent moi-même, quand il arrive que les nuages s'obscurcissent, je me dis, la terre promise est juste au bout du chemin. C'est pas loin. Alors je ne m'arrêterai pas ici. Je ne me découragerai pas. Je ne vais pas laisser mes forces me quitter. Je ne vais pas plier bagage. Je ne tournerai pas les talons devant les événements. Non. Je veux tenir ferme. Je vais me battre. C'est ce qu'il faut se dire. Je vais me battre dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Je vais investir encore. Je veux forcer la porte. Je vais frapper jusqu'à ce que cela s'ouvre. Mais je ne me découragerai pas. Ne te décourage pas. Regarde autour de toi. Toutes les réussites que tu vois aujourd'hui sont parfois le résultat de plusieurs échecs. Ce que tu admires aujourd'hui, certains ne te diront pas qu'ils ont connu 12, 13, 14 échecs. Ils ne sont pas découragés. Ils ont persévéré. Ils ont mis toute leur force. Et ils ont remis encore leur force. Que l'Esprit de Dieu, en ce moment d'instant de grâce, alors que tu m'écoutes maintenant, que l'Esprit du Seigneur te communique sa force au nom de Jésus. Reçois la force du Saint-Esprit. Reçois la force de Dieu maintenant pour que là où tu as abandonné, tu puisses revenir et recommencer. Tu as dit amen au nom de Jésus. Il y a plusieurs façons d'abandonner, vous savez. Plusieurs façons de laisser tomber, de se décourager. Certains peuvent continuer à faire ce qu'ils font, mais dans leur esprit, ils sont découragés. Ils n'y croient plus. Ils ont laissé tomber. D'autres, ils laissent tomber même physiquement. Dans l'un des cas comme dans l'autre, reprenez-vous. Reprenez-vous. Vous avez eu raison de croire en votre rêve. Vous avez eu raison de commencer ce que vous avez commencé. Alors croyez-y jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est instant de grâce. Saisis ce moment maintenant pour que tu te laisses remplir par l'Esprit de Dieu. Qu'un défaut physique ne te décourage pas. Qu'un diplôme qui manque ne te décourage pas. Que parce que la langue que tu connais, tu ne la maîtrises pas, que ça ne te décourage pas. Que les échecs des autres autour de toi, dans le même domaine, ne te découragent pas. Que ton expérience amère, celle sur laquelle tu pleures encore de temps en temps, ne te décourage pas. Que les paroles des autres sur ta situation, sur tes affaires, sur ce que tu as entrepris, les paroles négatives, ne te découragent pas. Cette force, tu la reçois maintenant au nom de Jésus. Tu la reçois maintenant au nom de Jésus. Laisse chacun avoir son avis sur ta vie. Et laisse Dieu donner son avis sur ta vie et compare. Ne te décourage pas. Tant que le Seigneur t'a laissé vivant sur la terre, tu n'es pas encore parti de l'autre côté. Tu n'es pas encore mort, tu n'es pas encore rentré vers le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a encore en toi assez de jus pour que d'autres boivent. Alléluia. Ça veut dire que tu as encore une orange que l'on peut presser. Il y a encore du jus que l'on peut retirer et ainsi apporter des vitamines aux autres. Au nom de Jésus, je prie maintenant afin que ta vie apporte des vitamines à la vie des autres. Je prie au nom de Jésus afin que tes efforts puissent être l'encouragement pour les autres aussi. Je prie maintenant de Jésus afin que ton esprit trouve la force de se relever de la poussière et de continuer le chemin. Dans le nom de Jésus, tu as dit amen. Fais comme la parole dit. La Bible parle des enfants de Dieu. Elle dit, ils boivent au torrent pendant la marche. Ils prennent leur envol comme des aigles. La Bible dit, ils boivent au torrent pendant la marche. Ils ne s'arrêtent pas. S'ils boivent, c'est parce qu'ils ont soif. Donc le besoin de boire est là. Ça peut te dire, je m'arrête. J'ai trop soif, j'arrête la marche, c'est trop long, j'ai commencé depuis longtemps, apparemment je n'arrive pas. Non, eux ils boivent pendant la marche, ils continuent à avancer, ils continuent à mettre un pas devant un autre. Certainement que les pas ne sont pas aussi souples que quand ils ont commencé. Au départ, sûrement qu'ils allaient un peu plus vite, et puis de moins en moins vite, et puis vraiment de moins en moins vite. À cause de la fatigue, à cause de la sueur, à cause de la soif. Mais nulle part la Bible ne mentionne qu'ils sont arrêtés.
nulle part. Gédéon est arrivé. Il a traversé la rivière. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il avait un objectif. Bien-aimé, vous avez un objectif de vie. Alors poursuivez-le. Ne vous arrêtez pas. Ne vous découragez pas tant que vous n'avez pas encore touché ce que vous poursuivez. Alléluia, que l'Esprit de Dieu se révèle à vous en cet instant de grâce comme un esprit de courage, comme un esprit de force, comme un esprit de recommencement, comme un esprit d'entrepreneuriat au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi dans votre vie. Alors laissez-moi vous donner, comme on fait souvent dans un instant de grâce, quatre petites raisons pour lesquelles je vous encourage à ne pas vous décourager. Quatre petites raisons qui me poussent à vous encourager à ne pas vous décourager. Pourquoi je vous affirme, ne vous découragez pas. Pourquoi je vous répète encore, ne vous découragez pas. Ce n'est pas que je ne vois pas votre situation. Vous me direz, pasteur, vous ne savez pas ce que je suis en train de vivre. Si vous étiez à ma place, cette phrase, je l'ai entendue 1001 fois. Si vous étiez à ma place, si vous viviez ce que je vis, si selon vous avez connu ce que moi j'ai connu, je vous dis oui, c'est vrai. Ce que vous vivez est réel. Mais pourquoi je vous dis ne vous découragez pas? Première des raisons, c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ est à vos côtés. Amen. Il est à vos côtés. Malgré tout ce que vous semblez vivre, Jésus-Christ est à vos côtés. Il ne vous a pas laissé tomber. Elle le dit dans Ésaïe 40, le verset 29. Elle le dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Voilà ce que notre Jésus-Christ est capable de faire. Voilà ce que notre Seigneur peut faire. Il donne la force à celui qui est fatigué. Vous êtes fatigué de la vie, des expériences, fatigué de tout autour de vous, même peut-être fatigué du travail que vous avez maintenant, vous voulez aller vers un autre travail, Jésus-Christ est à vos côtés. Il donne la force à celui qui est fatigué. C'est lui la source de votre force. C'est lui qui vous redonne l'occasion. Il est prêt à vous soutenir, même quand vous êtes découragé. Il est prêt à vous soutenir, même quand vous êtes convaincu que vous n'y arriverez jamais. Lui vous soutient. Il donne la force à celui qui est fatigué. Est-ce que tu peux dire avec moi maintenant, Seigneur Jésus, en cet instant de grâce, donne-moi la force, car je suis fatigué. Donne-moi la force, car je suis fatigué. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. Reçois la force. Reçois la force que Jésus-Christ seul donne. Reçois la force que Jésus-Christ seul est capable de donner. Je prie maintenant que le Seigneur influe, qu'il envoie, qu'il souffle dans ta vie maintenant une force nouvelle. Là où tu t'es fatigué, je te vois te relever au nom de Jésus. Là où tu t'es désespéré, je te vois reprendre de la joie au nom de Jésus. Là où le cœur avait déjà lâché, là où le cœur n'y pensait plus, je vois maintenant l'espérance revenir au nom de Jésus. Il donne la force à celui qui est fatigué. C'est la première raison pour laquelle je te dis, ne te décourage pas. Tu ne vois pas Jésus avec tes yeux, c'est vrai. Mais son esprit est présent. Il travaille en toi. Il te donne la force et tu continues la marche. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, ne te décourage pas. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Apparemment, tu es seul. Physiquement, tu es seul. Mais tu n'es pas seul. Le Seigneur Jésus en qui tu as cru est présent pour toi. Alors ne lâche pas. Ne baisse pas les bras. Ton combat en vaut la peine. Ton rêve vaut la peine d'être vécu. Ta vie vaut la peine d'être vécue. Ne baisse pas les bras. Jésus-Christ est à tes côtés, nuit et jour. À tout moment, il est là pour toi. J'ai une seconde raison pour laquelle je peux vous affirmer. Ne vous découragez pas. J'ai une seconde raison pour te dire, oui, à toi qui me suis maintenant, pour te dire, ne te décourage pas. Je peux te dire ça,
Alors je te le dis, la seconde raison pour laquelle je te dis ne te décourage pas, c'est parce que tu n'es pas défini par tes échecs. Tu as dit Amen? Tu n'es pas défini par tes échecs. Tout ce que tu as raté, tout ce que tu as mal fait, tout ce que tu n'as pas bien fait, tout ce que tu as loupé, toutes les occasions que tu as, toutes ces choses, tes échecs ne sont pas la définition de ta vie. Dis Amen. Tes échecs ne sont pas la définition de ta vie. S'il en était ainsi, tous ceux qui ont échoué dans leur vie ne seraient pas des gagnants aujourd'hui. Ils ne le seraient pas. Mais s'ils le sont, parce qu'ils ont compris qu'ils ne sont pas définis par leurs échecs. Est-ce que vous savez que l'échec est un grand tremplin pour celui qui ne se laisse pas abattre, pour celui qui n'abandonne pas? L'échec est un tremplin. L'échec est un panneau de signalisation. L'échec est un panneau qui te dit, ne va plus par ici, va par là. Tu n'es pas défini par ton échec. Alors il est temps d'oublier ton échec. Ton problème, c'est que ton expérience est encore tellement vive dans ton esprit. Elle doit rester vivante, mais ne pas être vive. Je m'explique. Vivante parce qu'il faut que tu y songes pour ne pas revenir dessus, pour que tu puisses tirer les leçons. Mais ne pas être vive, ça veut dire que la plaie ne doit pas rester ouverte. Que le Seigneur te guérisse maintenant. Toi qui es passé par des expériences douloureuses, qui ont affecté ta vie, les échecs douloureux qui jusqu'à aujourd'hui affectent ta vie, je déclare au nom de Jésus que tu reçois la guérison divine maintenant. Tu reçois la guérison divine au nom de Jésus-Christ. Tes plaies se referment car il est venu afin de guérir ceux qui ont les cœurs blessés. Même si ceux qui ont vécu avec toi se rappellent tes échecs, même si ceux qui ont grandi avec toi se souviennent tes échecs, même si ceux avec qui vous avez échoué ensemble peuvent te rappeler les échecs, bien-aimé, tu n'es pas défini par tes échecs. Non, pas du tout. Ça n'a été qu'un chemin et tu n'y reviendras plus. Tu sais pourquoi? Parce que cet échec-là t'a donné une leçon, t'a appris quelque chose et tu es un battant. Tu es un gagnant, tu n'es pas quelqu'un qui se décourage. Oh non, tu n'es pas un perdant, tu n'es pas un loser. Alors retiens-toi maintenant, reprends-toi en main parce que tu n'es pas défini par tes échecs. Qui t'a dit que c'est fini? Bien-aimé, qui t'a dit que c'est fini? Pourquoi tu organises le deuil de ton intelligence, de tes compétences, de tes capacités, de tes talents avant? Le temps viendra où tu ne pourras plus les utiliser, tu vas mourir, tu partiras vers le Père, c'est vrai, ou tu quitteras la terre. Mais tu es encore là, bien-aimé. Pourquoi est-ce que tu organises avant le temps? Tu organises le deuil de tes talents, de tes compétences, de ton intelligence, de tes capacités. Refuse cela, ne te décourage pas. Dis avec moi, je ne me décourage plus. Répète encore avec moi, je ne me décourage plus. Voilà, pourquoi? Parce que tu n'es pas défini par tes échecs. Tous ceux qui ont choisi de rester assis dans leur échec n'ont jamais évolué. Jamais. Et ils sont morts avec des regrets et des soucis. Et si j'avais osé? Par contre, ceux-là qui ont dit, je vais recommencer. Mon échec d'aujourd'hui n'est pas définition de ma vie. Ceux-là ont réussi. Ils ont réussi. Même que les humains ont inventé le mot revanche. Ça veut dire quoi? On a perdu avant et on est revenu sur le même combat. Revanche. Prends ta revanche sur la vie. Prends ta revanche sur les échecs. Regarde en face l'expérience qui t'a traumatisé. Regarde en face l'échec qui t'a blessé. Regarde en face les événements qui t'ont mis à terre. Relève la tête. Relève la tête. Et regarde-les, affronte-les maintenant. Tu n'es pas défini par tes échecs. Bien-aimé, si tu saisis cette chose de dire maintenant, tu es un homme heureux, une femme heureuse. Et je prie au nom de Jésus afin que tu reçoives maintenant, que tu reçoives maintenant la force de regarder en face tes échecs et de leur dire, vous n'êtes pas la définition de ma vie. Vous n'êtes pas la définition de ma vie. Tu as dit Amen? C'est un instant de grâce. Alléluia. Que le Seigneur te fasse encore du bien. Par son esprit, qu'il passe un filtre
dans ton esprit. Et que toutes les mauvaises, les saletés soient retenues. Et que seule l'eau pure puisse passer. Ton échec n'est pas ta définition. Elle n'est pas ta définition. Quand les gens viennent vers toi, quand les événements veulent te rappeler que tu ne pourras pas, tu n'y arriveras pas, tu as tenté une fois, tu as tenté une deuxième fois, ça n'a pas marché. Mais laisse tomber, bien-aimé, j'ai toujours dit, ton rêve est le tien. Ton rêve est le tien. Alors, poursuis-le, obtiens-le, vis-le, ne t'empêche pas, ne t'empêche pas. Tant que ce rêve est encore fort en toi, tant que la flamme brûle, fais-le. Et si la flamme a cessé de brûler, ranime la flamme. Tu es né pour des exploits. Tu es né pour des exploits. Tu es né pour faire un nom. Tu es né pour accomplir une destinée. Tu es né pour toucher un but. Tu es né pour changer les événements autour de toi. Tu es né pour que l'on t'apprécie. Tu es né pour être grand. Tu es né pour aller de l'avant. Tu es né pour foncer. Tu es né pour obtenir la couronne. Tu es né pour monter sur la plus haute marche du podium. Tu n'es pas né pour rester dans la paille. Alors ne te décourage pas. Le découragement t'amène à rester dans la paille, à rester là où tu étais tombé. Non, tu n'es pas défini par tes échecs d'aujourd'hui. Tu n'es pas défini par ça. Et aujourd'hui, prends la décision de ne plus enterrer tes talents et tes capacités. Ne plus enterrer tout ce que tu possèdes. Parce que simplement un, deux ou trois échecs sont répétés dans ta vie, ou dans ta famille, ou dans ta carrière, ou dans tes amitiés, ou dans ta vie sentimentale, ou dans ta vie familiale. Ces échecs ne sont que des tremplins. Des tremplins simplement qui vont t'aider à bondir afin d'atterrir dans ta réussite. À bondir pour atterrir dans le territoire que Dieu a préparé pour toi. Je te vois déjà atterrir là où Dieu t'attend. Je te vois déjà aller et conquérir le pays que Dieu a mis devant toi. Reçois cela au nom de Jésus-Christ et tu as dit Amen. Gloire au Seigneur. J'ai une troisième raison pour t'encourager à ne pas te décourager. J'ai une troisième raison pour t'amener à ne pas baisser les bras. Pourquoi ne pas se décourager? Pourquoi je dis ne te décourage pas? Parce que simplement, tu as une magnifique destinée devant toi. Amen. Tu peux le dire avec moi. J'ai une magnifique destinée devant moi. Tu peux le répéter encore. J'ai une magnifique destinée devant moi. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Que ta parole de maintenant s'attache à ta vie au nom de Jésus. Que ce que tu viens de prononcer maintenant s'attache à ton destin, à ta carrière, à ta famille, à tes entreprises, à ta santé, à tes projets, à ton futur, au nom de Jésus. Et j'ai entendu un amen de gloire. Tu as une magnifique destinée devant toi. Quand je jette les regards à gauche et à droite, je me rends compte que Dieu a tracé un beau chemin pour moi. Mais s'il l'a fait pour moi, je ne suis pas seul sur la terre, il y a toi aussi. Donc pour toi aussi, il a tracé un bon chemin. La parole du Seigneur nous dit dans Jérémie 31, le verset 17, Jérémie 31, 17, oui c'est ça, elle me dit, « Il y a une espérance pour ton avenir. » Waouh, magnifique, merci Jésus. Merci Jésus. Il y a une espérance pour ton avenir. Ça veut dire qu'il y a aussi des choses qui viennent pour gêner ton avenir, pour te donner l'impression que ton avenir est nul, qu'il n'y a aucune espérance. Mais la parole de Dieu est claire. Il y a une espérance pour ton avenir. Ton avenir est brillant. Ton avenir est magnifique. Ton avenir est encore ouvert. L'Esprit du Seigneur m'a dit de te dire ceci. Se décourager au présent, c'est gaspiller son futur. Tu as dit Amen? Je te le répète. L'Esprit du Seigneur m'a dit de te dire ceci. Se décourager au présent, c'est gaspiller son futur.
il y a une espérance pour ton avenir. Et parce que tu es vivant, tu as un avenir. Il y a de l'espérance pour cela. Ne te décourage pas. Lutte encore. Va de l'avant. Reprends ta vie en main. Pour toi, de l'espérance. Ton avenir est encore brillant. Tu comprends que la Bible n'a pas dit qu'il y a de l'espérance pour ton passé. Le passé est passé. Ce qui t'a blessé, découragé, est passé. En te reprenant en main, il y a de l'avenir. L'avenir, c'est le reste du chemin que tu n'as pas encore parcouru. C'est le reste d'expériences que tu n'as pas encore vues, que tu n'as pas encore vécues. Tu vois, derrière toi, c'est le passé. Les blessures, les échecs. Devant toi, c'est l'avenir et c'est l'espérance. Et maintenant, avec toi, c'est le courage. Ne te décourage pas. Se décourager au présent, c'est gaspiller son futur. Ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Je dis, ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Tu m'as dit amen. Et j'ai une dernière raison. Je vais te libérer bientôt, comme d'habitude. Je vais te libérer bientôt. Tu vas partir. Je vais te libérer. Mais j'ai une dernière raison qui me pousse à te dire, ne te décourage pas, quels que soient les événements. Pourquoi ne pas se décourager? Ah, parce que dans la vie, il y a des murs et des miroirs. Tu m'as bien entendu. Dans la vie, il y a des murs et des miroirs. Je vais t'expliquer. Il y a des murs et des miroirs. Le miroir, comme les murs, pour le casser, il faut exercer une force. Mais la force exercée pour les miroirs est différente que pour les murs. On casse un miroir facilement, mais pas un mur. Mais les deux sont cassables. Alléluia. Ça veut dire que dans la vie, tu vas rencontrer des situations qui seront des miroirs que tu casseras facilement et tu vas passer. Pour d'autres, ce sont des murs. Tu dois appliquer une force. Tu dois persévérer, ne pas te décourager. Bien aimé, si avec le même marteau, tu casses le miroir en un seul coup, avec le même marteau, le mur ne tombera pas du premier coup. Tu dois revenir encore. Alors, ne te décourage pas. Quand tu rencontres des miroirs, sois heureux. Quand tu es devant un mur, ne te décourage pas. Frappe. Frappe encore. Et puis frappe encore. Mais ce mur ne tombe pas. Ne t'en fais pas. Le fait que tu as frappé, une fissure s'est formée déjà. Alors viens frapper encore. Ne te décourage pas. Il y a des murs et des miroirs. Tu es habitué au miroir. Ce que tu fais réussit. Tu passes et c'est bon. Tu arriveras un jour, il y a un mur. Ne te décourage pas. Dieu m'a abandonné. Comment ça ne marche plus? Avant ça marchait, maintenant je ne comprends plus. Avant mon mariage allait bien, maintenant je ne comprends plus. Avant ma carrière allait bien, je ne comprends plus. Comprends seulement que devant toi, il n'y a plus de miroir. C'est un mur. Ne te décourage pas. Vas-y, frappe. Vas-y, fonce. Vas-y, travaille. Même les apôtres ont connu ça. Il y avait dans leur vie des miroirs faciles à casser. Jésus les envoie, ils vont, ils reviennent. Maître, même les démons nous sont soumis, facile. Les mêmes connaissent la persécution. C'est difficile. On veut les tuer. Ils doivent fuir, mais aucun découragement. Acte 4 vous le raconte, il dit, Seigneur, vois leurs menaces et donne-nous d'apporter la parole avec assurance. Ils ont continué à persévérer. Acte 4, 23, 31, tu pourras le lire. Ils ont continué à persévérer. Le miroir n'est plus là. Où on arrive, on chasse, les démons partent. Waouh, maître, même les démons sont soumis. Maintenant, c'est des murs. Il faut affronter la persécution, affronter la trahison, affronter la menace de mort, affronter les armées des Romains. Il faut affronter. Ils ne sont pas découragés. Ils n'ont pas dit, Seigneur, tu nous as abandonnés. Je ne comprends plus. On laisse tomber parce que c'est trop difficile. Non, il y a des murs et des miroirs. Mais sache-le, tous les deux sont cassables. Alléluia. Alors casse les miroirs et casse les murs. La même force n'est pas appliquée. Mais tu peux appliquer une force. Casse les miroirs et casse les murs. Voilà pourquoi je peux te dire, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Il y a tellement de chemin à faire. Il y a tellement de chemin à faire. L'avenir est tellement beau devant toi. Si tu regardes l'avenir à travers le miroir de ton passé, tu es perdant. Mais si tu regardes l'avenir au travers la loupe de la foi, alors tu es gagnant. Si tu regardes l'avenir
au travers le miroir du passé, tu es perdant. Parce que le miroir, il ne te montre pas ce qu'il y a devant, il te montre ce qu'il y a derrière. Mais si tu regardes ton avenir avec la loupe de la foi, la loupe, elle te montre en grand ce qu'il y a loin devant. Tu le vois nettement et clairement. Alors tu es gagnant. Que choisis-tu? Ne te décourage pas. Que la vie de Dieu, que le courage du Saint-Esprit inonde ta vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et que la force te soit donnée en cet instant de grâce pour te relever et continuer. Au nom de Jésus, tu ne te décourageras plus. Et tu m'as dit Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci pour l'instant de grâce. Un instant béni. Un instant dans lequel le Seigneur nous fait du bien. Il vous a fait du bien, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Il vous a rafraîchi. Maintenant, tu pars vers les défis avec une autre mentalité. Avec une mentalité de gagnant qui ne se découragera pas. Gloire au Seigneur. Parce qu'il vous a fait du bien. Et il vous le fera encore, je vous le garantis. Alors, laissez-moi parler à quelqu'un. Je m'adresse à toi qui n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il ne pourra pas être ta force tant qu'il n'est pas ton Seigneur. Mais alors que tu m'écoutes, il n'est pas trop tard. Tu peux aujourd'hui décider de le prendre dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, de le laisser diriger ta vie afin qu'il puisse, par son esprit, t'encourager. Est-ce que tu veux le faire avec moi? Si c'est le cas, on peut prier ensemble maintenant. Répète cette prière avec moi maintenant. Père, répète-le. Père, au nom de Jésus, je viens devant ton trône. Je dis merci pour ta parole. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Par ton sang, lave-moi, purifie-moi et accorde-moi ta grâce et ta force pour ne plus me décourager devant chaque situation de ma vie. Je déclare que je suis sauvé au nom de Jésus. Amen. Si cela a été fait avec la foi et le cœur, vous êtes sauvé. Vous êtes aussi, à votre tour, bénéficiaire de l'encouragement qui vient du Saint-Esprit. Alors, comme tu as été encouragé, comme tu as été béni, je t'encourage maintenant encore de continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux. Notre page Facebook, c'est Pasteur Alf Dimaving. Tu peux y aller. Abonnez-vous. Likez. Partagez. Afin que la même grâce qui vous a béni puisse être aussi bénéfique pour d'autres personnes. Sur YouTube, nous avons une chaîne aussi. Faveur TV, c'est notre chaîne. Allez-y, abonnez-vous. Et continuez de nous suivre. Partagez-le. Afin que la même grâce qui vous bénit soit aussi bénissante pour d'autres personnes à travers le monde. Et à chaque fois que vous le ferez, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et parce que le Seigneur vous a visité, alléluia, vos contributions sont nécessaires. Envoyez-nous vos contributions, alléluia, aux moyens qui vous sont exposés à l'écran maintenant. Envoyez-nous vos contributions afin que nous puissions continuer de parler avec assurance, nous puissions continuer de faire parvenir l'évangile à d'autres personnes. Et à chaque fois, bien-aimés, à chaque fois, je vous le garantis, que votre argent aura servi à l'évangile, que votre contribution aura servi à l'évangile, le Dieu de ce ministère, le Seigneur Jésus-Christ, va vous visiter brutalement. Je prie au nom de Jésus, afin que vous le soyez, vous qui contribuez. Soyez brutalement visités par le Seigneur, au nom de Jésus. Gloire à notre Dieu. Et vous qui êtes à Kinshasa, je nous donne rendez-vous. Je vous invite à vous joindre à nous, à notre église, Trône de Grâce, pour des moments de puissance, des moments de bénédiction plus grandes que celle-ci. Rejoignez-nous sur Kimbanza numéro 113, Bandalba Kayaou, c'est très facile, près de l'église Mangembo ou près de la maison communale. Rejoignez-nous dans nos cultes les mercredis, les vendredis, ainsi que le dimanche, et vous serez bénis. Vous serez grandement visités. Vous me donnerez raison. Par l'Esprit de Dieu qui nous apprend à ne pas nous décourager et qui, lui, nous prend en charge. Des instants bénis vous attendent à Trône de Grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche dans nos cultes. Je prie, bien-aimé, afin que la faveur de Dieu soit la vôtre, que sa bénédiction soit la vôtre. Je prie afin que les chemins difficiles deviennent faciles pour vous. Je prie maintenant afin que les chemins tortueux se redressent au nom de Jésus. Je prie afin que là où la lumière manquait dans vos vies, que la lumière soit au nom de Jésus. Je prie afin que la grâce de Dieu vous visite puissamment
Et moi, je vous donne rendez-vous ensemble au prochain instant de grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.